L'adoration pour le soleil ne date pas de la ruée des premiers vacanciers sur les plages. Elle était déjà poussée à l'extrême chez les Incas du Pérou il y a près de 500 ans. Je vous présente le dieu soleil. Les Incas sculptaient l'or alors que nos ancêtres se battaient encore à coups de massue. Ils représentaient leurs amis ou leurs parents. Voici par exemple une statuette caractéristique de sa génération. Et pourtant, les Incas, qui étaient très avancés dans tous les domaines artistiques, ne nous ont laissé que peu de témoignages de leurs connaissances dans celui de la peinture. C'est un cardet, si je ne me trompe. C'est, seigneur, la balançoire. Mais il n'est pas à vendre, seigneur. J'ai seulement réparé le cadre pour un vieux client. Je suis vraiment désolé. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Faites ce que je dirai, vous ne risquez rien. Nous ne sommes pas des bandits, pas plus que des tueurs. Des touristes, peut-être. Dites-moi si j'ai mis dans le mille. Aucune importance. Ça ne devrait durer que 5 minutes. Et si vous ne restez pas tranquille, je serai obligé, bien que cela me déplaise énormément, de tuer le trop célèbre Simon Templar, le saint. Ne restez pas là. Écoutez, quand M. Coleman entrera ici, vous le servirez normalement. Et je ne vous ferai aucun mal. Attendez-moi. Bien, monsieur. Ah, monsieur Gonzalez, je pense que mon tableau doit être prêt. Hein? Si, seigneur. Ah. Voilà. Ah, de l'excellent travail. Cela me fait plaisir. Vous n'êtes pas content? Pourquoi dites-vous ça? Ah, si vous bougez! On attendait votre visite, monsieur Coleman. On l'attend même avec impatience depuis une vingtaine d'années. Ça va, Templar. Vous vous êtes tenu tranquille jusqu'ici. Alors ne gâchez pas tout. Guardia! Guardia! Pronto! Pronto! Et vous ne savez pas du tout qui ils sont? Non. Ni pourquoi ils vous ont attaqué? Du tout.
Il voulait peut-être ceci. Oh, ce serait une véritable folie, je vous assure. Hein, pourquoi? Parce que ce n'est qu'une simple reproduction. Non, vraiment? Elle est très bonne dans ce cas. Je l'ai payée $250 à Buenos Aires, vers la fin de la guerre, je crois. Vous avez fait une affaire. Peu importe leur motif, M. Coleman, je vous promets de faire tout le nécessaire pour découvrir leur identité. Est-ce que c'est indispensable, mon capitaine? Indispensable? Oui, après tout, ils ne nous ont rien volé et personne n'a été touché. Seigneur, voyons, vous ne parlez pas sérieusement. Vous voyez, je suis en ce moment sur le point de traiter une affaire excessivement délicate et d'une importance vitale. Ce n'est plus qu'une question de jour. Toute publicité fâcheuse serait maintenant... Oh, j'aimerais éviter celle-ci. Mais, Seigneur, ils ont tenté de vous tuer. Ces hommes sont des criminels. Soyez gentil. Spécialement pour moi, mon capitaine. Je saurais me souvenir de votre coopération. Évidemment, si vous... Encore une fois, merci. Et à vous aussi, Monsieur Templar. Merci encore pour votre aide. Eh bien, vous saurez vous souvenir de ma coopération, sans doute. Bien entendu. Je vais vous laisser ma carte, mon cher. Nous serions très heureux, ma femme et moi, de vous recevoir quand bon vous semblera. Au revoir, Monsieur Templar. Monsieur Coleman. Merci encore, capitaine. Et à bientôt. Peut-être. Au revoir, Seigneur. Alors, on oublie tout? Si. Simplement parce que c'est lui qui vous l'a demandé? Si, c'est exact. Pourquoi? L'instinct de conservation. Est-ce qu'il a tant d'influence? Henry Coleman est un des plus riches propriétaires de mines d'Amérique du Sud. Il a de puissantes relations, il est très haut placé. Tout s'explique. Il est riche, il a de l'influence. Qu'est-ce que je suis? Mais vous n'êtes qu'un policier. Vous pouvez vous en aller, Seigneur Templar. Merci. Non, pendant que j'y pense, où se trouve la librairie la plus proche, s'il vous plaît, capitaine? Au fond du bâtiment, au premier tournant. Ne soyez pas si triste, capitaine. Vous réussirez certainement malgré votre profonde intégrité. Il fait encore plus vrai que l'original. Oui. Gonzalez a fait de l'excellent travail. Je te sers quelque chose. Oui, s'il te plaît. Est-ce que tu as téléphoné? Pardon? Je t'avais dit de téléphoner à Gonzalez pour l'avertir que je prendrai le tableau à 3 heures aujourd'hui. Alors? Je n'ai pas eu le temps, je l'avoue. Pourquoi ça? J'avais beaucoup de travail, je l'ai dit à Salter. Nous avons 5 domestiques durant toute l'année et tu es trop occupé pour donner un coup de fil de 10 secondes. Mais quelle importance du moment que quelqu'un a téléphoné? Le tableau était prêt, n'est-ce pas? Oui. Oui, le tableau était prêt. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je ne vois pas ce que j'ai fait de mal en demandant à Salter d'appeler. Qu'est-ce qui ne va pas, voyons, Henri? Je n'en sais rien. Mais j'ai l'intention de le découvrir très vite. Ici Karch. Notre vieil ami a donné signe de vie aujourd'hui. Où ça? En ville. Est-ce que vous voulez que je vienne? Oui, tout de suite. Et sois gentil, mène Salter avec toi. Il est probablement encore au travail. Oui, j'écoute. Nous avons manqué notre coup. Oui. Oui, Coleman a filé. Écoute, je crois que tu devrais venir ici. Et vite. Bien. Tu crois que Salter est en danger? Comment veux-tu que je le sache? Si seulement on avait pu attraper Coleman. Si seulement on avait pu le... Ne le prends pas comme ça. Et je devrais le prendre en commande après toi. Quand je pense que je pouvais le tuer avec mes mains nues.
Monsieur Coleman voudrait vous voir. Ah, j'ai juste une course à faire dans le bâtiment d'en face. Cela doit pouvoir attendre. Oui. Oui, bien sûr. Ah, entrez, les gars. Ferme la porte, Karch, veux-tu? Asseyez-vous, je vous prie. Maintenant, il faut que je vous dise qu'il m'est arrivé une aventure amusante aujourd'hui. Une aventure? Oui, dans la boutique du vieux Gonzalez. Deux hommes ont essayé de me capturer. Vous capturer, mais je ne vois pas pour quelle raison. Ben, j'avoue que je n'en ai aucune idée, mais... Dites-moi, Salter, est-ce que vous avez téléphoné à Gonzalez dans la matinée? Oui, c'est votre femme qui me l'a demandé. Et que lui avez-vous dit? Simplement que vous prendriez votre tableau vers 3 heures. C'est vraiment tout? Bien sûr. À qui d'autre avez-vous téléphoné? Pardon? Est-ce que vous êtes devenu sourd, Salter? Non, monsieur, mais je voulais vous dire au juste. Nous ne devons pas oublier que Gonzalez occupe cette boutique depuis une 20aine d'années. Mais ces hommes me guettaient. Ils savaient que j'allais venir. Ils savaient l'heure exacte de mon passage. On leur a dit. Je savais que je serais là-bas à 3 heures. Ma femme le savait. Vous le saviez. Vous me comprenez maintenant, hein? Non, je vous assure. C'est vraiment regrettable pour vous. Ah, mais qui croyez-vous être? Vous n'avez pas à me frapper! Taisez-vous quand je parle, voulez-vous? Le métier d'informateur exige énormément d'habileté, mon ami. Et je connais peu de petits malins qui soient capables de l'exercer longtemps. L'informateur? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Karch le voit, lui, n'est-ce pas, Karch? Mais bien entendu. Alors explique-lui! Laissez-moi sortir! Tu l'emmèneras au numéro 1, dans la première mine, vu? Je veux le nom de tous ces hommes, leur adresse, d'où ils viennent et comment ils m'ont trouvé, compris? Tout de A jusqu'à Z! Vous pouvez compter sur moi. Il faut qu'ils parlent. Tout dépend de toi maintenant, tu m'as compris? Attrape-le! Qui sont ces hommes? Pourquoi ils ont attaqué ce bon M. Coleman? Eh bien, c'est ce que j'essaie de découvrir. Jetez un coup d'œil là-dessus. Vous savez ce que c'est? Non, seigneur. Vous ne l'avez jamais vu sur un des tableaux de ce bon M. Coleman? Non, seigneur. Ou sous un cadre, peut-être? Oh, si j'avais vu un signe pareil, je suis sûr que je m'en souviendrai. Mm-hmm. C'est le sceau du musée de Cracovie, en Pologne. En principe, il est apposé au dos des cadres des tableaux que le musée s'est approprié, M. Gonzalez. Qu'est-ce que vous cherchez, seigneur? Je voudrais bien vérifier l'authenticité des reproductions qu'il vous confie. Je ne peux pas vous répondre. M. Coleman a déjà remporté son tableau chez lui, à Kosica. Ah, peut-être bien que je vais lui rendre visite. Je veux que tu parles. Dis-moi leur adresse. Vas-y, je t'écoute. Tu parleras, ça je peux te le jurer. Henri. Oui? À propos de Salter. Que se passe-t-il? Eh bien, je sais que tu lui en veux beaucoup pour quelque chose, mais... Oui, ça tu peux le dire. Mais qu'est-ce qu'il a fait, voyons? En quoi cela t'intéresse-t-il? Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à te questionner. Pourquoi tu ne veux pas tout partager avec moi? Je ne parle pas seulement des événements heureux, mais des problèmes, des embêtements. Tu es très gentille, mais je n'ai aucun embêtement. Et j'ai horreur de partager mes problèmes, tu le sais. Je les résous moi-même. Oh! Monsieur Templar, heureux de vous revoir. Entrez, je vous prie. Merci, Monsieur Goldman. Je ne voudrais pas vous déranger. Oh, non, pas du tout, au contraire. Bien sûr, vous restez pour la soirée, n'est-ce pas? Merci, j'en serai enchanté. Ah, chérie, je te présente Monsieur Simon Templar. Et voici ma femme.
Madame Coleman. Monsieur Templar. Un verre? Avec joie, un whisky soda. Rien de nouveau sur mon heureuse intervention chez Gonzalez? Non, non, toujours rien. Mais Henri, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, deux jeunes gens ont essayé de dévaliser la boutique du vieux Gonzalez cet après-midi. Monsieur Templar et moi, nous avons réussi à les faire fuir les mains vides, c'est tout. Mais je veux savoir la vérité, voyons. Oh, allons, ma chérie, ce n'est vraiment pas la peine de t'inquiéter pour ça. Monsieur Templar restera avec nous ce soir. Tu devrais avertir le cuisinier, chérie. Oui, bien sûr. Excusez-moi. Oh, merci. Elle est tellement sensible et si impressionnable que j'ai hésité à lui en parler. Mais c'est tout à votre honneur. Nous ne sommes mariés que depuis un an, en fait. Ah oui? Félicitations, dans ce cas. Merci beaucoup, mon cher. À votre santé. Laissons-le, je commence à avoir faim. Vous avez de remarquables tableaux dans votre collection. Oh, à quoi sert l'argent, mon cher, si ce n'est à le dépenser? Vous n'êtes jamais allé en Pologne? En Pologne? Pourquoi me demandez-vous ça? Simple curiosité. Oh, non, je suis venu dans ce pays il y a maintenant une vingtaine d'années, avec une petite pioche et l'immense espoir de découvrir des tonnes d'or. J'ai creusé comme un chien cherchant un os, et je continue. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ce n'est pas pour l'argent. Je suppose que j'ai ça dans le sang. Que s'est-il passé? Il s'est évadé! Vous deux, allez par là! Vous autres, par ici et fouillez partout! Allez vite!
démarche. Je suis désolé, monsieur Coleman, mais... Que se passe-t-il? Voyons, qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu un éboulement dans une mine, dans la première, justement. Et aucun accident? Non, mais ils sont affolés. Dans ce cas, je vais aller avec toi. Va m'attendre dehors. D'accord. Désolé, mon cher monsieur Templar, d'avoir à écourter votre visite. Oh, mais ce n'est rien. C'est un cas de force majeure. Mais je comprends très bien, voyons. Madame Coleman, merci beaucoup. Au revoir, monsieur Templar. Au revoir. Au revoir, monsieur Templar. Avez-vous une explication pour justifier une telle intrusion, monsieur Templar? J'aime les œuvres d'art. Non, ne partez pas. Que savez-vous de ce tableau, au juste? Je sais qu'il est la propriété de mon mari, cher monsieur. Oh, j'en doute fortement. Vous en doutez? Regardez ça. C'est le sceau du musée de Cracovie. C'est donc le tableau original. Oh, et sa valeur est d'environ 200 000 dollars. Oh, vous vous trompez, je vous assure. Ce tableau est une excellente copie et rien de plus. C'est ce que votre mari raconte. Et quelle est votre version de cette histoire, monsieur Templar? Quand les nazis ont envahi la Pologne en 1939, ils se sont appropriés ce tableau. Qu'essayez-vous d'insinuer? Je n'insinue rien. Mais je me demande comment il a pu arriver ici. Je n'en sais rien. Mais je peux vous garantir que mon mari a acheté ce tableau en toute bonne foi. Longtemps après le musée. Prends tous les hommes dont tu pourrais avoir besoin. Il faut me les retrouver, hein? Est-ce que tu entends? Nous les retrouverons, soyez pas inquiets. Je le serai toute la nuit, malheureusement. Téléphone-moi d'urgence dès que tu auras des nouvelles. Oui, monsieur. Un homme, señor, très malade. Où est-ce qu'il vient, docteur? Dans le village là-bas, señor. Docteur López. Cet homme est grièvement blessé, señor. Vous pouvez rien faire pour lui? Il faut lui faire une opération, une transfusion de sang. Il faut l'hospitaliser de toute urgence. Où ça? À la ville, bien sûr. Je pourrai arranger son admission si vous le transportez. Bien entendu. Ma fille est infirmière, elle vous accompagnera. Ça m'est impossible. Un de mes malades est malheureusement au plus mal ce soir. Maria, téléphone à l'hôpital. Tout de suite. Où avez-vous trouvé cet homme? Sur la route juste à la sortie de votre village, celle qui conduit à la mine. Nous l'avons installé dans la voiture, señor, et l'étranger, il l'a emmené. Est-ce que tu sais où? Oui, señor, chez le docteur López. Bon, merci.
n'y a personne. Nous attendons. Jusqu'à ce qu'ils reviennent. Il faut savoir où ils ont emmené Salter. Accélérez, signor, il est très mal. Docteur Lopez. Monsieur Cash. Je crois que quelqu'un vous a amené un de nos employés ce soir. Ah oui, il était grièvement blessé. C'est un cas que j'ai rarement l'occasion de... Oui, nous sommes tous très inquiets. Où est-il? Je l'ai fait conduire à l'hôpital, à la ville. Ah, merci infiniment, docteur. Monsieur Coleman en sera enchanté. Qui est le responsable de tout ça? Mais de quoi? Cet homme a été battu. Eh bien, je l'ai juste ramassé sur la route. Je crois qu'il essaye de parler. C'est vrai. Allez. Allez où? Au 25. 25. 25 quoi, voyons? Avenue de Pascal. C'est là. Coleman. Et... Puis-je vous être utile, seigneur? Vous avez eu une admission d'urgence au début de la soirée. Il venait de Cosica. Est-ce que vous êtes parent avec cet homme? Son employeur. Oh, je suis vraiment désolée, croyez le seigneur, mais il est décédé il y a 10 minutes environ. Voulez-vous sans doute parler au chirurgien qui l'a opéré? Réception. Ah, ne vous inquiétez pas. Oui, le docteur dit que c'est une question des jours. Je vous en prie. Si c'est altérément, je me demande pourquoi tu t'inquiètes. Je n'en sais rien. Il peut avoir tout révélé. Il peut avoir... Cet homme, cet Templar. Il était chez Coleman tout à l'heure. Et il était aussi chez Gonzalez cet après-midi à 3h. Allons voir où il compte se rendre cette nuit. Il vaut mieux d'aller dans la voiture. Ça va, monsieur Templar. Ne faites pas d'idiotie cette fois. Dites-nous la vérité. Qu'est-ce que vous faites ici? J'ai entendu dire que c'était ici que je trouverais la clé de l'énigme. Qui vous a dit ça? Un employé de monsieur Henry Coleman. Salter. Où est-il? Il a été tué. Je l'ai trouvé dans une voiture près de la porte. Eh bien, étant donné que nous sommes entre gens bien, si vous me donniez quelques explications. Mmh.
Donne-moi juste une minute. Nous ne tenons pas à vous tuer, Monsieur Templar. Nous faisons seulement notre travail. Notre gouvernement nous a chargé de capturer cet Henry Coleman. Mais ce n'est pas son vrai nom, bien entendu. C'est un nazi. Il pensait pouvoir échapper au châtiment. Et le dénommé Salter ? Il faisait partie de notre organisation. Il nous tenait au courant des déplacements de Coleman. C'est lui qui nous a indiqué la boutique de Gonzalez. Malheureusement, vous êtes arrivé avant nous. Il s'est évadé d'Allemagne en 1955. Nous avons découvert sa trace à Lima depuis un peu plus d'un an. Oui. Ils ont pu s'enfuir. Comment vont les autres? Mortes, les deux. Allez, venez, ne restons pas ici. Oh. Oh. Votre blessure n'est pas dangereuse, je l'ai nettoyée. Tenez, ça vous remontera. Vous savez qui étaient ces hommes? Non, mais je suis prêt à parier qu'ils font partie de la bande de Coleman. Ça vous montre jusqu'où ils veulent aller pour protéger leur secret. Mais quel est ce secret? Il était autrefois le trop connu Hans Krolitsch. Hitler lui avait offert la place de ministre des Mines, Simon. Vous devez savoir que la barbarie nazie s'est donnée libre cours en Pologne plus que partout ailleurs dans le monde. Et Krolitsch a envoyé plus de 5000 pauvres gens qui ne comprenaient rien à cette guerre. Une majorité de femmes et d'enfants au fond d'une mine. Il a fait exploser la mine. Il les a fait enterrer vivants. C'est un meurtrier. Un véritable boucher. Notre mission était de le faire sortir du Pérou vivant pour qu'il soit jugé. Mais tout est bien fichu. Je peux trouver un moyen. Police! Ouvrez! Ouvrez! Non, ne bougez pas, voyons. Alors reste encore et appelle si tu apprends quelque chose. D'accord. Merkin reste près du poste à tout hasard. Et alors? La fille vient juste de partir et il garde toujours Templar. Il faut m'en débarrasser, tu entends? Il faut que je protège mon existence. La mienne aussi? Oui, oui, bien sûr, mais enfin, voyons, écoute, tu vas aller jusqu'au village, hein, chercher cette fille. Elle a pris l'autobus qui est parti à 7 heures, je suppose. C'est assez risqué. Nous n'avons pas le choix, et tu le sais. Hans, écoute... Henri! Excusez-moi, Henri, cela m'a échappé, je crois. Le souvenir d'autrefois. Il faut que tu oublies cet autrefois. J'y arriverai, je vous le garantis. Si on venait à apprendre, un jour ou l'autre, que j'étais Hans Krolitsch, eh bien... ce que j'ai pu lentement amasser depuis ces 20 dernières années tomberait à l'eau. Et tu serais fini, toi aussi.
Oui, je suppose que vous avez raison. Tu sais bien que j'ai raison. Alors, sois efficace. Tu sais en quoi. Tu vois ce que je veux que tu fasses. Oui, Henri, je vois. Je sais deviner tous vos désirs. Maintenant, écoutez. Celui qui a abattu ces deux agents aura à répondre devant notre justice. Je n'ai pas de conseil à recevoir de vous. Et d'autre part, je ne veux plus vous voir traîner par ici. Il y a un avion pour New York dans moins d'une heure, vous serez à son bord. Est-ce que je dois comprendre que vous découragez les touristes ? Si, parfaitement. Qu'allez-vous faire de Maria Lopez ? Je l'irai lâcher, elle rentre chez elle. Et Nathan ? Sera rapatrié chez lui quand il pourra supporter les voyages. Bon. Merci, capitaine, pour votre grande coopération. Templar ! Je déteste autant que... Écoutez, je tiens moi aussi à ce que ces gens affrontent la justice. Ah oui ? Je vous autorise à rater l'avion qui partira aujourd'hui, mais vous prendrez celui de demain matin. Oui, capitaine. Ça a amené au poste de police et questionné pendant presque toute la nuit. Oh, papa, ça a été terrible. Allons, allons-tu à la maison maintenant, Maria? Tu n'as plus aucune raison d'avoir peur. Docteur Lopez. Oh oui, Pedro. Quand? Pourquoi? Tu dois savoir te servir d'un tourniquet. Alors, commence sur le champ. J'arrive tout de suite. Il y en a pour une heure, au moins. Surtout, ne bouge pas, d'accord? Le fils de Sandrino vient d'avoir un accident, ça a l'air plutôt grave. Il était sur un tracteur. Il faut que tu y ailles aujourd'hui. Et voyons, Maria, ce gamin risque de perdre son bras. Mets-tu en sécurité dans la maison. Tu n'as qu'à ouvrir la porte à personne et c'est tout. Il reviendra le plus vite possible. On a bien trop fait. Mais je ne pouvais pas courir le moindre risque. Mais elle peut en avoir pour des heures, voyons. Tant pis, il nous faudra patienter. Docteur, vous avez un instant? Oui, bien entendu. Entrez, je vous en prie. Maria, il est là. Elle m'a raconté votre aventure, elle était encore toute effrayée. Elle a un peu exagéré, sans doute. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est? De chloroforme. Maria! 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 Maria!
Je vais la faire marcher un instant. Coleman l'a enlevé, c'est presque sûr. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Appelez le capitaine Rodriguez à Lima. Dites exactement ce qui s'est passé. Et s'il demande où vous êtes? Dites-lui que je m'intéresse toujours au sieur Coleman. Allô? 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 Entrez, Monsieur Templar. Ça fait maintenant plusieurs heures que je vous attends. Madame Coleman, j'ai peur d'avoir des révélations plutôt déplaisantes à vous faire. Sur Monsieur Hans Krolitsch. Vous savez? Je le soupçonnais depuis le début de me cacher une sorte de mystérieuse faute de jeunesse. Je vous jure que je n'ai pu découvrir ce secret que depuis quelques heures et grâce à votre intervention. J'ai épousé un vulgaire criminel et un meurtrier. Vous savez où il est? À la mine, probablement. Il a fait enlever une fille qui habite au village. Maria Lopez, la fille du docteur. Mais pourquoi? Parce qu'elle sait ce que vous savez. Êtes-vous en train de dire qu'il a l'intention de... Oui. Savez-vous où il a pu l'enfermer par hasard? Non. Attendez, oui, dans la mine numéro 1. Elle est abandonnée et on n'y travaille plus depuis une quinzaine d'années. Vous pouvez m'y conduire? Oui. Attendez. Tenez, vous en aurez peut-être besoin. Danger, mais de quoi? Écroulement, gaz. Vous feriez mieux d'attendre ici. Je commence à perdre patience, Maria. C'est tout ce que je sais, je vous jure. Cet agent qui est encore vivant, dites-nous où il est. Il est à l'hôpital, à Lima. Et où est Templar? Sortez, Maria. Allez, dépêchez-vous, vous n'avez qu'à suivre les rails dans le tunnel. Eh bien, j'ai le pressentiment que vous allez voyager, monsieur Hans Krolitsch. Écoutez, vous Templar, allez devoir peut-être... rendre des comptes à la justice fédérale. Oh, on peut certainement s'entendre, mon cher Templar. Écoutez, je suis prêt à vous offrir 100 000 dollars. Comment êtes-vous arrivé à cette somme? Quoi? Disons que ça fait 20 dollars le corps pour les 5200 innocents que vous avez enterrés vivants en Pologne. Oh, mais c'était pendant la guerre, Templar. Il y a des années de ça, je devais exécuter les ordres. Écoutez, écoutez, si vous étiez raisonnable... Imprudent. Surtout pas un geste. Ouais, allons. On va le conduire près d'un trou très profond. Garch, enlève dans les planches, tu veux. Oui. C'est le trou le plus profond du pays, monsieur Templar. Ce sera assez long. Maria! Ah!
Debout, Krolitch. Finalement, vous allez quand même faire ce petit voyage. Lâchez-le. Sortez, Simon. Ingrid. Arrête. Mais voyons, il va s'en aller. Et la fille... Hans Krolitch. Il est dommage que tu saches. Alors, donne-moi ça. Dirai tout à la police. Peut-être bien que ce n'est pas la fin qu'il désirait, mais Nathan a rempli sa mission après tout.